Mesdames et messieurs, chers fans, chers internautes et chers projecteurs, bonjour, je suis Franco Le Mignon. Alors, cette vidéo est la toute dernière pour clôturer avec les obsèques de mon feu papa. Donc, après cette vidéo, nous allons revenir sur notre ligne éditoriale. La ligne éditoriale qui nous a unis, qui était 5 minutes de rire, qui était l'humour, qui était le divertissement. Je vous le promets et je vous confirme que j'ai enterré mon père avec tout le mauvais vent qui soufflait pendant ces périodes-là. Je veux dire les clashs, des échanges, de voir des mauvais commentaires. Rien ne sera plus comme avant. Franco est né désormais de nouveau, comme disent souvent les chrétiens des églises de réveil. Franco ne sera plus comme avant. Mais avant, je voulais inviter ceux qui m'écoutent à suivre ou bien à écouter cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Je voulais parler même des révélations. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier la grande famille Boyom, tous les enfants, parce qu'on s'est mobilisés comme un seul homme pour les obsèques dignes de notre papa. Je dis merci également à la famille maternelle, la grande famille Tekwopodia, ma belle famille, la grande famille Tebukwogan. Donc, vous voyez, il y a des personnes ici dehors qui pensent que l'argent fait tout. Vous avez constaté vous-même comment la cérémonie des obsèques de mon papa s'est déroulée. Et si quelqu'un n'a jamais eu ce genre de situation, il ne peut pas comprendre ce que moi, Franco Le Mignon, je traversais. Parce que, imaginez, j'avais 3 événements en un. Les funérailles de ma maman, les obsèques de mon papa, les funérailles de mon papa. Pour ceux qui sont bamilékés, vous pouvez imaginer un peu, vous pouvez un peu comprendre ce que c'est. Et j'ai fait une vidéo pour demander l'aide. Les gens n'ont pas compris le sens. Je n'avais pas trop besoin d'argent. Parce que, excusez-moi de le dire, ce n'est pas que je suis arrogant, parce que vous interprétez toujours les paroles comme vous pensez. Mon père est décédé au moment où j'avais un peu d'argent, en me laissant avec l'argent. Parce que si réellement ma vidéo était dans le sens, parce que j'ai fait ma vidéo, j'ai indexé certains collègues. Ils sont tombés. Vous avez vu certains collègues qui ont fait des vidéos et des publications pour montrer comment Franco veut faire de l'argent sur le dos de son... La mémoire de son père. Ce qui est vraiment triste et regrettable. Au lieu de soutenir ton collègue, ton frère dans les moments difficiles, tu multiplies les vidéos pour montrer comment il est malhonnête et tout. Donc, quelqu'un ne peut pas faire une vidéo où il vous dit qu'il n'a pas l'argent et il vous montre comment il est logé dans les appartements bien meublés, où il signe des contrats. Il vous montre comment la loterie, comment les gens viennent massivement jouer à la loterie dans sa structure. Ils vous montrent comment la structure fonctionne. Vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas. Je gagne au moins, depuis que la loterie a commencé, au moins 50 000 francs. En un mois, ça me fait combien? Donc, j'avais suffisamment d'argent pour enterrer mon père. Mais j'ai fait ça. Il y avait ma cible. Et ils sont tombés, comme je voulais. Et j'ai vu ce que je cherchais. Je dis encore merci à tous les membres de la diaspora, hein, parce que même avec ou sans aide. Ce n'est pas le premier événement que j'organisais, puisque j'ai organisé les obsèques de ma mère, j'ai organisé mon mariage, j'ai organisé mon concert 5 minutes de rire, que tout le monde a vu. Donc, à chaque fois, ça nécessitait beaucoup de dépenses, beaucoup d'investissements. Et ceux qui viennent boycotter en disant « Franco est malheureux, Franco est ceci », si tu n'as pas encore organisé, ce ne serait-ce que le voix bébé chez toi. Tu ne peux pas savoir ce que veut dire organiser ce genre d'événement. Quand je vais dire à certaines personnes que j'ai dépensé plus d'un million, 300 000 pour les obsèques de mon père, ils vont dire que je faisais quoi avec. Faites très attention. Je vais profiter pour dire merci à 2 partenaires qui m'ont surpris. Manda Créa, oui, qui fait dans le stylisme et la haute couture. Voilà, qui est au niveau de Awa Escalier, qui a assuré la décoration. Non seulement la décoration où il y avait la dépouille de mon père à l'intérieur comme à l'extérieur, mais qui était à la cuisine toute la nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le partenariat. Je dis merci au PDG du complexe Las Vegas qui a fait un geste loyal. Donc, en dehors du partenariat publicitaire, ils peuvent comprendre
ce qu'on appelle les moments difficiles d'un homme dans sa vie. Je vous dis infiniment merci. Ce sont les deux partenaires qui m'ont vraiment touché, qui m'ont impressionné. Je dis merci à Roméo Fojo, qui est au niveau de la brasserie, pour la logistique, qui était prêt à tout en ce qui concernait le transport, le déplacement de ci ou de ça. Merlin Confo qui a assuré la caméra. Madame Chente Jocelyne, qui est une belle sœur, qui a tout donné pour que vous, le repas comme vous avez vu là se passe dans les très bonnes conditions. Je dis merci également à Maeva, merci également à Janine Majou, qui des braves femmes comme ça qui m'ont soutenu à la cuisine, franchement, comme il fallait. Merci à Gassa Mireille Poupina qui est du côté de Douala. Je vais dire merci à beaucoup de personnes, je ne peux pas citer tous les noms. Mais si j'ai oublié le nom de quelqu'un, je ne peux pas citer tous les noms. Ce sont des personnes qui m'ont tellement secouru, donc qui m'ont soutenu comme il fallait. Il y a le prisonnier du général Samba, qu'on appelle Guy Laflèche. Franchement, mon frère, je ne sais comment te remercier. Donc, vous avez constaté que tu as un événement pareil. Les gens pensent plutôt. Des gens avec qui vous êtes ensemble tous les jours, vous mangez tous les jours, vous buvez tous les jours, vous parlez de tout, vous parlez des femmes, vous parlez de tout et de rien. Et des personnes que tu penses que si aujourd'hui je ne suis plus, si aujourd'hui j'ai un cas d'accident ou bien une maladie qui m'amène, voilà des personnes qui vont porter mon cercueil pour mettre dans la tombe. Tu es surpris que de ton vivant, devant tes yeux, ton père meurt. On n'a pas deux pères, les gars. Les gars ne viennent même pas à la morgue. Les gars ne voyagent pas. Pour ceux qui sont un peu gentils, restent à distance et t'appellent, te font le dépôt. Et s'il fallait arriver au village là-bas comme ça, s'il n'y avait pas des mamans, s'il n'y avait pas les membres de famille, paternelle, maternelle, belle famille et tout, s'il fallait compter sur des personnes que vous êtes au quotidien tous les jours, l'argent que vous m'avez envoyé devait manger la nourriture, tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai prévu. J'ai prévu 250 plats. 250 places. Il y avait à peine 150 personnes assises. Vous avez vu des tables décorées, abandonnées. Des places vides, des plats abandonnés sur la table. À un moment donné, je me dis, pourquoi j'assiste tellement les gens? Pourquoi je suis toujours là à aider les autres? Et au moment où j'ai besoin aussi qu'on m'assiste. Parce que vous allez comprendre, il y a une différence entre l'assistance et l'aide. Quand tu aides quelqu'un, tu n'attends pas la récompense de la personne, non. Mais quand tu assistes quelqu'un, l'assistance, sans vous mentir, est comme, comment je peux appeler ça? L'assistance est comme la tontine à la réunion. Quand tu as tontiné quelqu'un, mon frère, obligatoirement, la personne là doit aussi te tontiner. C'est-à-dire que quand tu assistes quelqu'un en vrai, tu t'attends en sorte que, de telle sorte que demain, quand ça sera aussi ton tour, la personne va t'assister. C'est la tontine. Mais tu es déçu, tu es surpris que tu assistes tellement, même au quartier où, quand il y a les événements, on vient dire que donc, on va cotiser, vous cotisez. Et tu es toujours là, mais tu es surpris qu'à la levée de corps de ton père, même tes voisins du quartier, personne n'est là. À un moment donné, tu te poses la question à savoir, qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Et c'est où je me pose la question, et où j'essaye de comprendre que certains riches ont raison d'être réservés. Certains riches ont raison de ne pas se mélanger avec les gens. Parce que quand tu fais ça, on te dit, tu es arrogant, c'est parce que tu as des moyens, c'est parce que tu as ci, parce que tu as ça. Moi, je n'ai pas compris, honnêtement parlant. C'est pour cette raison que je fais vraiment cette vidéo pour dire à tous ces gens qu'on marche tous les jours, que faites très attention. Franco ne sera plus jamais comme Franco d'hier. Peu importe la manière dont vous allez me regarder. Je vais vous conter une histoire qui s'est passée dans un village voisin. Il y avait un riche dans un village là, il était le plus grand riche du village. À chaque fois qu'il y avait un événement au village, il envoyait toujours son représentant. Donc, il envoyait l'enveloppe à son représentant, allait donner dans telle famille, allait donner. Il n'assistait jamais à un événement. Le jour qu'il perd son père, dans la grande concession, et c'était lui qui avait la plus belle maison, avec une grosse barrière et tout, il a tué 3 bœufs. Maintenant, quand les gens venaient de l'autre côté, dans son camp, dans sa maison, c'était vide. Il n'y avait que ses enfants et lui. Le village aussi a cotisé. Les membres qui faisaient 500 000 francs. On a cotisé, on a envoyé donc quelqu'un aller lui donner aussi l'argent. Il a dit, non, moi je n'ai pas un problème. Il dit, non, tu as un problème d'argent. Tu as aussi besoin d'argent. L'argent ne suffit jamais. Prends, voilà l'argent.
Le monsieur est resté comme ça. Il a enterré son père seul avec ses enfants. Personne n'est entré dans sa maison. Toute la nourriture qu'il a préparée, tout ce qu'il a prévu, les bœufs qu'il a égorgés, tout ça, personne n'est venu manger. Il était obligé, après les obsèques de son père, aller à la chefferie, demander pardon, rassembler tout le village, demander les excuses. On a fait comprendre à ces messieurs que l'argent, ce n'est pas seulement l'argent. L'assistance physique, mon frère, ça dépasse tout ça. Quand quelqu'un se sacrifie à prendre la route, avec tout le risque d'accident, sacrifier son temps, venir t'assister. Mon frère, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc moi qui passe tout le temps au quartier où quelqu'un, une dame même perd son mari, je me déplace même avec mon véhicule, ça n'a pas même mourir en route, je souffre. Je peux enterrer son mari, je rentre. L'assistance, pour ne pas parler, je ne vais pas citer ceci, cela que j'ai fait. Tu fais tout ça, quand tu perds ton père, la dame ne vient même pas la lever le corps de ton père. Avec tout ce que tu as fait à son mari, quand son mari était décédé, jusqu'au village. C'est méchant. On ne doit pas vivre comme ça. Les collègues, caméraman, photographe, personne ne vient aux obsèques de mon père. Personne. Mes collègues, je ne veux même pas parler collègues côté influenceur parce que d'abord là-bas même, je ne sais même pas si je vais m'appeler collègue ou quoi. Là-bas, c'est un autre monde là-bas. Je sais que là-bas, où c'est la compétition, où c'est la jalousie, où c'est quoi, je ne sais même pas. Franchement, c'est déplorable. C'est terrible. On peut comprendre au village qu'il y avait eu plusieurs deuils. Il y avait plusieurs deuils dans notre concession. Des amis qui sont arrivés un peu plus tard. Des amis d'enfance au village et tout. Mais ils sont quand même arrivés. Ils sont quand même arrivés. Mais que certains se prennent l'audace, le courage de, à ton retour, de venir te demander comment s'est déroulé les obsèques de ton père. Mais attends, vous n'avez même pas honte à un moment donné? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas poli. Avec ou sans vous, l'événement a eu lieu. Mais honnêtement, l'homme, quand on veut voir la valeur, un homme qui a la valeur, ce n'est pas un homme qui a l'argent. Ce n'est pas un homme qui est riche. C'est un homme qui est assisté. Et je profite là pour dire merci à la réunion, ma grande réunion, la génération 90. Qui m'a vraiment soutenu financièrement et tout le reste. Et je dis merci également à tous ceux de près ou de loin hein, qui m'ont soutenu spirituellement, physiquement, moralement. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Mais je voudrais, à la sortie de cette vidéo, rappeler à tous ceux qui m'écoutent que les gars, apprenez à assister les gens. Oui. Physiquement, apprenez à assister les gens. L'argent seulement, fait les dépôts, ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si tu fais ton événement, tout le monde te donne l'argent, personne ne t'assiste. Ça va ressembler à quoi? L'argent qu'on te donne viendra manger tout ce que tu as prévu. Heureusement que les mamans étaient même là pour emballer. Tout ce qu'on a. Sinon, la nourriture que j'avais prévue, que je me disais que oui, les gens devraient m'accompagner. Puisque je suis au quotidien avec des gens tous les jours. On partage notre quotidien. On fait presque tout. À Yaoundé, nous sommes... Mais je ne sais même pas. Moi, j'arrive à la morgue. J'ouvre les yeux. Je regarde. Terrible. C'est terrible. Et demain, quand quelqu'un va organiser quelque chose et va inviter Franco, il ne va pas venir. On va dire, c'est parce qu'il est déjà influenceur, non? Il est déjà grand, non? Il a déjà ci, il a déjà ça, non? C'est pour cette raison qu'il ne veut plus fréquenter telle personne, il ne veut plus faire ci ou ça. Non, pourtant, ce n'est pas ça. C'est vous-même qui rendez les gens méchants. Parce qu'en réalité, je ne vais pas dire que je vais arrêter d'aider. Je vais toujours aider parce que quel qu'en soit ce qu'on me fait, c'est ma nature. Je suis né comme ça et j'ai toujours demandé à Dieu de me donner pour que j'aide les autres. Je vais toujours aider. Mais assister là, rien ne sera plus comme avant. Assister, non. Parce qu'on n'a pas deux mains, on n'a pas deux pères. Et
Personne d'autre ne peut remplacer ton père ou ta mère. Tu pouvais ne pas venir à l'événement de mon père en disant que comme ta mère encore là, au moins, je vais me rattraper. Ma mère n'est plus. Mon père est parti. Tu viendras encore m'assister à quel événement? Quand il faut danser, manger et boire. Si je vais tenir l'invitation, tu vas courir et venir parce que tu vas manger, tu vas venir danser, tu vas venir, il y aura les filles. Voilà, tu vas coller les filles, manger, boire. Tu ne vas pas te sacrifier, tu ne vas pas voyager. Tu ne vas pas aller souffrir sous le froid au village. Mais moi, quand c'est ton tour, tu veux que moi, je laisse aussi ma casquette de chef d'entreprise, de ci ou de ça. Je viens souffrir sous le froid chez toi, dans ton village, n'est-ce pas? Je vous dis merci. Merci, hein? Mais... si vous constatez que Franco n'est plus Franco d'hier, ne vous posez pas trop de questions. Sachez que c'est vous-même qui avez voulu que Franco soit comme ça. C'est méchant. Changez un peu vos habitudes, les gars. Apprenez à assister les autres. Voilà. C'était juste un message. Et je dis encore merci à Dieu, Tout-Puissant. Pour ses bienfaits, parce que tout s'est déroulé dans les bonnes conditions et tout le monde a voyagé jusqu'à son domicile, jusqu'à sans problème, sans cas d'accident. On a enterré notre papa, rentré, on n'a pas eu de cas d'accident nulle part. Tout s'est bien passé comme prévu, il n'y a pas eu de pluie, tout, rien. C'était très beau, c'était très beau. Et j'ai dit encore merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux, même les grandes familles que je n'ai pas cité leur nom, qui nous ont soutenus. Je vous dis infiniment merci. Je vous dis merci au nom de toute la famille Boyom, Kwasaku et Saku, tout le reste, la famille Baham, le village, le chef du quartier, en fait, tous ceux qui nous ont assistés, tous les notables, toutes les autorités religieuses, infiniment merci. Et que l'âme de notre père se repose en paix. Papa, où tu pars, sache que tu as laissé tes enfants et protège tes enfants, garde tes enfants. Nous allons marcher selon les pas que tu nous as montrés, selon l'amour que tu nous as appris. Nous allons aimer les autres comme tu nous as appris, comme nous-mêmes. Donc, je vous dis merci et je profite pour vous dire, Franco revient avec le concept 5 minutes de riz en force. On va laisser les clashs, on va mettre l'accent sur les japap et 5 minutes de riz comme prévu. Abonnez-vous pour ceux qui viennent de me découvrir, pour ceux qui disent que Franco a baissé en termes de vue et en termes de visibilité. Attendez seulement quand il y aura un nouveau buzz pour voir si Franco a chuté en termes de vue. On ne force pas l'amour. Franco est quelqu'un qui est aimé naturellement. Et je suis vrai dans tout ce que je fais. Et c'est pour cette raison que j'ai dit mes vérités. Peu importe si ça t'énerve, si ça te plaît. Gare, la vérité est très difficile à digérer. Mais on va seulement dire la vérité quand il faut. Je vous aime. Sans vous, je ne suis rien. Je ne vais jamais vous décevoir. Merci infiniment. Et à la prochaine. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.